Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pokémon version Diamant Étincelant. Ça y est, après bon dodo, on est reparti pour session tournage. Ouais. Donc alors, j'ai quand même un peu joué avant de tourner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. En vrai, non, c'est pas ça que je voulais faire. Si, j'ai été dans les souterrains, je voulais voir si je pouvais avoir Karchakrok, non, Karmash, enfin Grignote, Karmash. Tout ça, ou d'autres, parce qu'apparemment on peut les avoir aussi dans les souterrains, mais il faut peut-être d'abord les débloquer, donc, enfin, on les a en une fois. Donc j'ai attrapé un insécateur, un barloche, regardez, bon ça c'était pas dans les souterrains, un lapo-oreille, un armulis, un goinfrex, un chenipote, comme ça j'ai les deux versions, je pourrais faire évoluer pour le Pokédex, parce que je vais le faire quand même. Enfin voilà, simplement, du coup, bon, mes Pokémon sont à ce niveau-là, mon Spectrum, on s'en fout, pour l'instant. Et on est parti direct pour l'arène de type acier. Voilà, qui est là, direct, cash, comme ça. Parce que après, il nous attend plein de trucs. Hop. Vas-y, go. Alors, à mon avis, je vais me faire un peu rooster. Mais c'est pas grave. Parce que j'aime pas cette arène. J'aime pas les combats dans cette arène. J'ai un souvenir de difficile, mais. Steelix. Je me trompe peut-être. En fait, le truc, c'est que les Pokémon acier ont énormément de défense. Et voilà. Vous voyez, c'est compliqué, quoi. Pourquoi il m'a fait un crogif, mais il est coucou. Hop. Ok. Bon, je sais ce qui m'attend après. Oh, mon Ferrel, il tient le coup hein, quand même. Hop, c'est bon, Steelix de dos. Je sais, après, on a tout un truc sur une île, là. J'aime pas du tout ce moment. Bon, ça fait beaucoup de choses que je n'aime pas dans les épisodes qui arrivent. Ouais, je suis chiant, quoi. Mais c'est là où on a Lucario, donc... Enfin, Riolu. On a un œuf de Riolu. Donc, j'ai quand même hâte de faire ça. Pour pouvoir... aïe, pardon, je tapais dans le micro. Parce que je voulais Lucario et ça aurait été un Pokémon qui aurait été très bien pour cette arène. Alors c'est bizarre que on le fasse qu'après l'arène du coup. Souvent c'est... Bon j'ai le chat qui fait coucou. Oui, vous voyez pourquoi cette arène elle me saoule? Parce que en vrai, il s'est dit ah non 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 type acier. Puis en fait derrière ils te sortent quoi? Des Pokémon roche. Donc pour, contre les types feu c'est un peu chiant chiant. Ou des fois les types acier sont aussi roche. Et dans le même temps, nous te fait ah. Donc contre le type feu, comme je dis, c'est relou. C'est relou. Et après, tu as envie de prendre un type combat contre le type acier, ce qui est normal. Genre notamment, je sais que là, Simiabraz, il doit être... Ouais, c'est Simiabraz. Oui, c'est Sticram, Chapin Feu, Simiabraz. Il doit être plutôt efficace, parce qu'il est feu, donc c'est bien contre l'acier, mais également combat, qui est aussi très bien contre l'acier. Alors, au pif... Bon, à mon avis, je crois que j'ai pris le bon chemin. Donc, ouais. Et par contre, un type combat, bon, bah, comme les Pokémon acier ont de base beaucoup de défense, bah... Voilà. C'est-à-dire que le combat, comme c'est beaucoup d'attaques physiques, c'est chiant. Il y a à la rigueur, il y a Vampipoing. Je crois qu'il n'est... Ah, oh. Si, si. Si, je crois que c'est physique aussi. Enfin voilà, faut essayer de trouver, il y a des magouilles à faire de toute façon. Après, le type sol est quand même super efficace contre le type acier. Et notamment mon Franklin, qui a séisme. Qui va, à mon avis, beaucoup m'aider sur le champion. Je pense bien. Pourquoi ils me font des crogives? Mais pourquoi ils me font des crogives? Mais ça sert à rien. Fais autre chose, gars. Tout il augmente, la défense, l'attaque, nanana. Mais ça suffit, ça me va. Ok. Nous, là, je fais l'arène un peu au pif. Ouais, Mouson niveau 42. Et vous avez vu, hein, du coup, dans les souterrains, les Pokémon sont niveau 40. Hein, ils sont adaptés au niveau. Alors, du coup, ben, c'est en fait, ce niveau XP, c'est n'importe quoi. Non, mais en fait, c'était le bon chemin. Alors, attendez, parce que j'aime bien... faire tout ce que je peux. Il y avait quoi là?
D'accord. Tiens, hop, lui, on l'avait pas fait. Donc si vous entendez le bruit d'oiseau, c'est normal, elle est au-dessus de sa cage là, elle est contente. Elle a compris qu'on parlait d'elle. Ah, vous avez vu aussi, j'ai donc la tenue platine sur mon personnage, j'ai plus la tenue fluorescente qui fait mal aux yeux. J'ai pris donc la tenue de Pokémon version platine. Je trouve que c'est un peu vache de nous l'avoir. Regardez, bah, vous pouvez quand même avoir la tenue de Pokémon Platine, hein, mais vous inquiétez pas, hein, vous n'aurez pas les ajouts de Pokémon Platine, quoi. Bon, bah, c'est bien. Merci. Ouais, on voit absolument pas les étoiles que j'ai mises. Ouais. Bof. Alors. Et c'est Franklin. Il va faire la méga sensue. Et hop, salut. Bravo. Voilà, on régène. Ça, j'hésite à reset Dialga. Pour le shiny, parce qu'ils ne sont pas shiny lock. Et ça, c'est pas mal du tout. J'hésite à le faire, mais je crois que il me semble que je les ai sur une version. Faut vraiment que oula, je recommence ma phrase. Faut vraiment que j'aille refaire le tour de mes versions, parce que... Je dois avoir sur certaines versions. Faut que je prenne Pokémon Home en fait. Absolument, faut que je prenne Pokémon Home absolument et que je transfère ce que j'ai le Pokédex entier quasiment sur je ne sais plus quelle version. Je sais plus sur quelle version je l'ai fait. XY, je crois que je l'ai fait. Sur. Bah, en fait, sur Épée Bouclier, j'ai fait Pokédex pour le Charme Chroma, mais j'ai pas le total total. Oh, je sais plus. Mais je l'ai fait il y a pas très très longtemps. Entier. Ah, c'est peut-être XY en fait. Et j'ai plein de Pokémon d'événements comme ça, de shiny distribution et tout. Ça serait bête de les perdre. Donc il faudrait que j'aille télécharger la Pokémon Home là, le machin. Ouais, mais ça peut être pas avec l'abonnement aussi ça. Une saoule avec les abonnements. Saoule. Alors du coup. Poupe, c'est par là. C'est par là. On traverse. Elle a fond. Elle a fait sa meilleure chanson. On l'a reconnu, elle chante du Lady Gaga. Non, c'est pas vrai. Ah, peut-être. Si on écoute bien, peut-être qu'on... Ça me gratte, là. Bon, j'imagine que c'est pas là. Parce qu'à mon avis, il va falloir battre le... Voilà, c'est ça. Battre un dresseur pour pouvoir aller sur le bon chemin. Hop là. Donc voilà. Dites-moi... Si vous savez, bon, si vous êtes toujours en train de regarder les épisodes, parce que peut-être qu'au bout du 14e, 15e, vous êtes déjà parti. Parce que tout le monde, vous avez déjà fini le jeu. Dialga et Palkia, du coup, la première fois qu'on les voit tout en haut là, on peut les kill, les tuer ou fuir le combat et revenir bien plus tard, genre après la ligue et tout ça. Genre pour faire des lives dessus, notamment, si j'ai le temps. Coup critique, bah ça c'est bien. Ou alors c'est mort, il faut vraiment le faire avant la première rencontre. Parce que je suis un peu paumé. Je vous avoue, je suis un peu paumé parce que. Bah, avant, il y avait plein de trucs qui ne marchent plus. Tu me dis si je t'embête durant ta chanson Ok, bah, je vais le laisser commenter l'épisode. Et la fond. Eh oh, brume! Bah oui! Qu'est-ce que tu t'arrives quoi? Tu viens? Viens faire la star! Non. Elle veut pas. Elle est timide. Je pense pas, mais. Donc ouais, dites-moi si on peut faire ça ou. Non, tant pis, on est. Oh, ça c'est bien! Oh, ça c'est bien! Nitro charge, ça c'est bien. 50, c'est du. Oh, c'est moins bien que... Représailles... Ça me saoule. Dépit. Allez hop, ça dégage. J'aime pas les attaques qui servent à... pas faire de dégâts. Yeah. Ok. Bon, cette arène, elle est... Ok, bof, quoi. C'est-à-dire que, bah, elle est pas... Il y a un mini puzzle, mais... C'est pas non...
Oui, madame. Elle est pas non plus transcendante. Et donc, encore une fois, hein, c'est une arène de type acier. Hein. Depuis tout à l'heure, on se tape quoi? Des onyx, quoi. Love. Les types roches, quoi. Bah souvent, de toute façon, roche acier ou acier sol, ça va un peu de pair, quoi. C'est un dérivé. Où on trouve l'acier dans le sol, dans la roche. Enfin, faut le fondre, hein, mais... Les métaux. En fait, c'est des types qui ne devraient pas exister, quoi. C'est des types... pas primés. Bon, après, on dirait avec type glace, c'est le vent et l'eau. Souvent. Ouais, et on va dire quoi? Un Stylix. Non, vas-y, je ne change pas. Donc, on a tout à fait compris que le champion allait avoir un Stylix, de toute façon. Allez, bim, t'es brûlé. Crogivre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'ils ont avec leur crogivre nul. Tant pis pour... Tant pis pour... Hop! Ça va, on s'en sort bien. Karateka. Bon, on a quasiment fini l'arène. 10 minutes. Ouais, ça sort. Ouais, elle est ok tiers, quoi. C'est-à-dire que, bon, elle est... À mon avis, c'est le dernier. Je vais quand même soigner mon Furel parce qu'il commence... Tu veux un vieil... non, pas un Vulgato. Tiens, une hyper potion. Ouais, allez, hop. Parfait, hop. Le puzzle est pas difficile, c'est beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choix en fait sur le puzzle. Hein. C'est soit droite, soit gauche. C'est. Constance, la top dresseuse. Alors, un seul Pokémon. Alors là, tu te dis. Pourquoi elle a pris un Azumarill? Elle s'est trompée, non? Rien à voir. Rien à voir. Ah bon? Ok, c'est bon, j'ai eu ma confirmation, du coup, le type fée est bien présent dans cette version. J'étais pas sûr, parce que je savais pas s'ils avaient repris vraiment comme avant, ou ils avaient mis à jour avec les types fées et tout ça, mais... Bah, en même temps, c'est... Ouais. Et j'ai même pas regardé dans le Pokédex, en fait, mais du coup, Musumari, il est bien de type fée haut. Ok. Ah ouais, tu veux jouer à ça. Tu veux jouer à ça. Tiens. C'est pour ça que ma morsure, elle a été pas très efficace. Parce qu'il est de type... Il est de type... Oh, ça change tout, du coup. Oh là là, quel enfer. Constance, la table dresseuse. Je me suis peut-être un peu trop spécialisé. Ah bah, complètement à côté de la plaque, ma peau, là. Hop. Et voilà. To the go. Yeah. Bon voilà. Bah d'ailleurs, juste avant de faire le combat, on va regarder. Qui c'est qui est de type fée dans ce... Ils sont où là les types fées là? Ah bah eux. T'es où? Mélo fée. Bah je l'ai pas capturé donc je peux pas savoir. Pourquoi c'est revenu en arrière? Il est pas typé lui? Normal. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est ça. Hop. Ok, alors c'est parti. Attends, j'enlève la caméra. Ah, c'est le badge de Charbourg, je vois, je vois. Tu as donc vaincu mon fils Pierrick. Enfin, ce n'est pas étonnant, il a encore beaucoup à apprendre. Moi, Charles, je saurai un adversaire à ta hauteur, contrairement à lui. Or, lui, il n'a pas le temps de parler. Hein. Donc, c'est le bien, c'est le père de Pierrick, donc, de la première arène. Donc. Ce qui est rigolo, du coup. Un Stylix. Archéomyre. Mais... Ouais, alors je suis un peu sur le KU parce que. En fait, moi,
Il me semblait qu'il avait Archéodong et pas Archéomime. Alors du coup, je dois confondre parce que j'ai... Oh non. Ça va. Tu es trop fort, mon Ferel. T'es pas confus. Je dois confondre entre plusieurs choses. Soit je confonds avec leur équipe de platine, ce qui est largement possible. Soit je confonds avec... Quand tu as battu la ligue, tu peux rebattre les champions d'arène, mais ils ont des teams plus fortes. Mais alors, je sais pas si c'est dans celui-là ou c'était en platine, un truc comme ça. Ou c'était même pas dans ces versions. Attention, tempête de sable. Oh. Youp. Vous voyez comment il a de défense. Pourtant, j'y vais. Nous ne jouons pas sur le même jeu. Hop. Bon, ça va, en fait, ça va être facile, je pense. Et c'est quoi, Bastiodonte? Ouais, c'est ça. Je ne change pas. Donc, c'est l'un des fossiles de cette génération. Quoi? C'est mon dernier Pokémon. Dans ce cas, je vais tout donner. Bastiodonte et Kranidos. Eh bah, séisme. Hein. Lumino-canon. J'évite l'attaque. Allez, hop. Oh, la fermeté. Il a une baie. Ce n'est pas encore terminé. À mon avis, il va le soigner avec une hyper potion. Pas du tout. Ok. Ok. Il a laissé crever son Pokémon comme un nul. C'était facile. Ouais. Vous avez battu le champion Charles. Non, mes Pokémon étaient pourtant si bien entraînés. Ouais, mais les miens étaient plus. Même ma redoutable équipe de Pokémon n'a pas fait le poids face à ton talent. En reconnaissance de ta puissance, je te remets le badge mine. Voilà. Faudrait que je lave mes badges, mais pour ça, il faut que je prenne la console dans les mains pour les frotter avec l'écran tactile. Sinon, tu peux pas. Cet badge te permet d'utiliser la capacité secrète Force via ta Pokémontre. Tu possèdes maintenant 6 badges. Cela signifie que tes Pokémon tomberont au doigt jusqu'à 70. Tiens. Les sauts utilisés par Charles et... Il devrait me passer une CT... Lumino-canon, je crois que c'est, non? Il me semble que ça... Oui, Lumino-canon. Elle réduit parfois la défense spéciale de la cible quand elle fait mouche. D'accord. C'est toi la mouche. Allez, hop. Du coup, on est parti. Alors, du coup qu'on a force... Là, on peut faire les... Il va vraiment faire tout le tour comme ça. On peut faire un truc trop bien. Wow. Non mais, franchement, un ascenseur qui va aussi vite, moi je monte pas dedans, genre mal au cœur. Alors. Boum. Ça y est, t'as le badge bin, bien joué. T'es assez doué pour pouvoir espérer devenir le prochain maître Pokémon, mais rêve pas trop, hein. Je te rappelle que je suis quand même plus fort que toi. Bref, allez, viens, on va à la bibliothèque. Je vois que tu me laisses aucun répit. Juste avant, je vais soigner, à moins que ça ait été fait. Non. Oui. T'es belle. Ok. Je crois qu'elle a mis un truc dehors, ça lui a pas du tout le plaire. Oui, t'es belle. Mais oui. Mais oui, Brume, t'es belle. Oui. Elle rigole. Hop. C'est parti. Donc là, on va... on a combien? 19 minutes. On va à la bibliothèque, juste avant qu'il nous envoie là où je pense qu'on... Enfin, là où on va aller. On va aller chercher un Grignote. Hein. Bonjour. C'est quoi cette bibliothèque mal rangée? Pourquoi il y a des livres à côté là? Allô? Allô, on s'en fout. La bibliothèque. Les livres du deuxième étage sont faciles à lire, mais ceux qui sont ici sont trop durs pour moi, je comprends rien. Ah, te voilà, Thomas, viens par ici. Oh, c'est le professeur Sorbier. Eh, le vieux, j'ai ramené Thomas comme contenu d'aller à plus. C'est bon, j'ai compris. Bien, bon, ça y est, tout le monde est là. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Vous l'avez peut-être oublié, mais j'étudie l'évolution des Pokémon. Mais plus je cherche à percer son secret, plus le mystère s'épaissit. Certains Pokémon évoluent, tandis que d'autres n'évoluent pas. À quoi doit-on cette différence? Ben, ça dépend de la génération, quoi. Les Pokémon qui évoluent le font-ils parce que ce sont des êtres imparfaits? Si c'est le cas, que penser des Pokémon légendaires qui n'évoluent pas? Doit-on déduire qu'ils sont parfaits? C'est là que vous entrez en jeu. On dit que les Pokémon insaisissables vivent dans les trois lacs de Sinnoh.
Si nous pouvions obtenir des données sur eux, nous pourrions peut-être faire la lumière sur l'évolution des Pokémon. C'est un travail titanesque, alors j'ai besoin de l'aide de chacun d'entre vous. Aidez-moi à trouver ces Pokémon que l'on considère comme des illusions. Et une minute, j'ai pas eu de Pokédex, moi. Et qui a quitté le laboratoire avant que j'ai pu lui en donner un, hein? Enfin, peu importe. Dites-vous aussi qu'il est important de voir toutes sortes de Pokémon de ses propres yeux pour devenir un meilleur dresseur. Bien sûr que je vous aiderai, professeur. Cela devrait aussi me permettre d'avancer dans mon Pokédex. Je suis sûr que vous pouvez également compter sur Thomas. Bien, c'est une chance que j'ai besoin de tout le monde. Il y a 3 lacs et le hasard a voulu que vous soyez 3. Par conséquent, vous allez vous séparer pour visiter un chacun. Aurore, tu iras au lac Vérité. D'accord. René, je veux que tu ailles au lac Savoir, près de Frimapic. Le trajet ne sera pas de tout repos, c'est une mission pour un dresseur coriace. Je sais, c'est moi le meilleur. Finalement, tu m'as plutôt bien cerné, le vieux. Et pour le lac Courage, il reste donc Thomas. Le lac se trouve entre Voilaroc et Verchamp, si je me souviens bien. Professeur, c'est terminé, personne n'est blessé. Nous allons sortir faire attention, mais faites attention, je ne sais pas dans quel état est la ville. Oh, ça aurait été trop bien en fait. Thomas, dépêche-toi de sortir aussi, mais sois prudent, il pourrait y avoir d'autres secousses. Ou est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre? Je sais que c'est pas tout à fait ce qu'on aurait imaginé. Ça a duré une microseconde. Ça aurait été trop marrant que toute la map elle soit cassée. Hein? Ces secousses n'avaient rien de naturel. Ouais, du bateau, il est arrivé quelque chose. Il paraît qu'il y a une grosse explosion au lac Courage. Ça fait un bruit comme ça. Baboum. D'accord. Et le vieux, j'ai un mauvais pressentiment. Je pars tout de suite pour le lac Savoir. Quel phénomène celui-là. Thomas, j'étais demandé d'aller au lac Courage, mais ce que nous venons d'entendre m'inquiète. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe. Alors n'oublie pas, ta sécurité passe avant tout. Nous te rejoindrons dès que nous aurons inspecté le lac Vérité. Tu vas t'en sortir, hein, n'est-ce pas, Thomas? Non. Non. Non, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Et le jeu sera terminé. Voilà. Ici, auberge du port, le temps a effacé l'inscription. Ça, c'est important, c'est un événement, mais on s'en fiche un peu. Je regarde juste le temps d'épisode. 22 minutes. En fait, je sais pas si ça vaut le coup que j'avais commencé le truc là-haut. Mais c'est tellement chiant en même temps que... Enfin, j'aime pas du tout ce moment. Donc, ce que je vais faire... Ah ouais, je vois direct aller au lac, là, techniquement. Mais avant ça, on va aller à Charbourg. Tout. Et on va aller essayer de capturer un petit Grignot pour le faire évoluer, pour avoir un Pokémon compétitif. Enfin, un Pokémon que tout le monde a dans sa team. De toute façon, la team 4G, je crois que tout le monde a la même. Hein. Tout le monde prend Simiabras pour le Pokémon Feu, parce que des Pokémon Feu dans cette génération, il y en a zéro. Comme j'avais déjà dit. Le vélo, c'est un enfer. Ça, le Karchakrok, le Luxray. Vas-y, enlève ça. Le Luxray, le Karchakrok. J'ai dit quoi? Le Luxray, le Karchakrok, le Simiabras, du coup. Le Lucario. Et les Tauraptors. C'est, voilà. C'est la team de Everybody. Mais moi, je ne suis pas Everybody. Du coup, j'ai changé. J'ai pas pris Simiabras, j'ai pris Torterra. Voilà, c'est tout. Sinon, tout le reste, c'est la même. Allez, on traverse les grandes étendues d'herbe. Et alors, normalement, hop, là, il y a une grotte. La grotte des égarés. Et là, on peut utiliser force maintenant. Voilà. Par contre, il va nous falloir flash, sinon ça va être chiant. Alors, allez. Alors, attendez, parce que... Ah, c'est pas ça que je voulais. Il est hors de question que je mette flash à un Pokémon de ma team. Ça va pas, non? Ça va pas. Tiens, Pikachu. Pikachu. Tu vas prendre flash. Tu es destiné à me servir... utiliser. Mais j'en ai qu'un de flash d'ailleurs. Oui, choisis une compétence à utiliser. Reflet. C'est vrai que c'est tout aussi. 1, 2, tada. Mais ils auraient dû la laisser en CS, quoi. Enfin en truc Pokémon, en fait. Flash. Pikachu. Hop.
Alors, comment ça se présente? Y'a rien là-bas, ok. Ok. Ce vélo est... C'est un enfer ce vélo. Je me dis pourquoi d'un coup je peux plus bouger, mais c'est normal du coup. Yeah! Un racaillou sauvage apparaît. Oh, je suis trop content! C'est le Pokémon que je voulais. C'est pas vrai. Niveau 16. C'est un petit peu nul. C'est pas prévu. J'étais en train de chercher mon Grignote et... What the fuck? Bah voilà, on a Arc, Omir, Shiny, je m'en rien à foutre, je lance une bolo. Et là il va faire explosion, je vais mourir, il va mourir, il va sauter dessus. Mais c'est la première fois que j'ai un... Oh là. Oh, il va me saouler. C'est la première fois que j'ai un shiny random de ma life. Ah non, j'ai eu un Silton sur Pokémon Saphir à l'époque. Mais alors, en fait, j'avais pas compris parce que je ne connaissais pas les Pokémon shiny. Pour moi, je comprenais pas pourquoi le Silton était jaune au lieu d'être bleu. Et bah, il a fui. Du coup, je suis bah, tant pis, hein. C'est quoi ce bug? Ok. Ok. Bah, ok. Je... Bon, bah... Voilà. Bah, sinon, en fait, les Grignote, on peut les avoir dès ici, en fait. Là où je suis, là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est vraiment au hasard, là-dedans. Donc, ça peut durer un peu de temps, parce que c'est que 15% de chance de l'avoir, donc... Voilà. Bon, bah, écoutez... Ah. Alors, vous avez vu le petit... Évidemment. Le petit passage où on a vu mon dresseur là en premier plan, ça veut dire que mon Pokémon il a au moins 2 IV. Donc c'est les stats, bon, pour ceux qui font de la strat, hein, je m'en fous, je capture direct. 2 IV, donc il y en a 6, hein. 2 sur 6 qui sont au maximum, c'est-à-dire que ces stats elles vont être boostées. Donc je capture pour... Voilà. Mais j'ai quoi, il se passe quoi aujourd'hui là? Je trouve un shiny, je trouve un Pokémon stat parfaite là. What the fuck? Et je trouve pas de Grignote. C'est pas grave. Bon, Acrogriffe. Oh, bah je vais chercher encore et puis on se retrouve peut-être pour un autre shiny. Hein. N'importe quoi ce jeu. Là. Donc voilà, donc c'est bien. Bon, c'est un peu random parce que ben voilà quoi, il est un petit peu. Hop. Un peu rare. C'est une femelle. Oh, comment je vais l'appeler? Par contre, petit niveau 15, alors je peux pas trop te faire grand chose parce que j'ai pas de Pokémon. Oh là là, mais je trouve que les Pokémon dans cette version, cette génération, ils sont galères à capturer. Je sais pas, je galère à les capturer. Ils se libèrent super facilement. Voilà. Ah, comment je vais l'appeler? Oh mon dieu, comment je vais l'appeler? Ah, je sais. Je sais comment je vais... Dragon Sol. Oui, on va... Donc, c'est une femelle, on va l'appeler... Mo... C'est nul. Molaire. Avec comme ça, on va l'appeler. Molaire. M-A-U-L-A-Y-R. Molaire. Parce que c'est... Bah, voilà. Car machacroc, car chacroc, tu vois, c'est un croc. Toute cette idée de croquer. Cricknut. Donc hop, molaire. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait, on est content. Est-ce que j'ai une corde sortie? Oui, hop, je m'en vais de cette grotte. Totalement improbable. Et du coup, je vais retourner à Joli. Ah, j'ai dit, je suis où là? Ah, mon Torterra est au-dessus, d'accord. Je vais retourner à Jolie Berge parce qu'à Jolie Berge, on n'a pas fini. Il faut. Rendez-vous au lac Courage pour voir ce qui se. Non. Il y a, pour avoir Lucario, il faut retourner à Jolie Berge. Même si je pourrais skip le truc. Hein, mais... Non, je voudrais quand même le faire. Voilà.
Et écoutez, sur ce épisode riche en découvertes entre l'arène, entre un shiny, entre plein de trucs comme ça, on se retrouve nous très vite pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine. Ciao.